Abandonne-toi devant toi un chemin sans savoir s'il faut l'emprunter. Devant toi plusieurs chemins sans savoir lequel emprunter. Ne t'inquiète pas de la valeur de ta vie, de tes erreurs, de tes échecs, de ton futur plus ou moins obscur et sombre. Oublie ton cœur et tes émotions. Ne te fie pas à ta sagesse et à ton intelligence. À toute vitesse, fuis ton ego. Abstiens-toi de faire le plus grand savant et fais uniquement la volonté de Dieu. Abandonne-toi. Aveuglement, perds-toi dans la conscience du Seigneur qui veut faire de toi une merveille, une gloire et qui y parviendra. Même si tu es dans le noir, pourvu que tu écoutes toujours sa voix et sois plus obéissant malgré ta tristesse et ta déception. Écoute sa voix si calme, si douce, pleine de paix et d'amour. Elle est exclusivement la seule qui puisse te faire du bien. Même si elle ne te donne pas ce que ton cœur désire, elle est celle qui fera ton véritable bonheur. Même si elle ne te conduit pas sur la voie que tu préfères, elle est celle qui te mène dans le merveilleux et vrai repos. Même si elle n'est pas ton option, elle reste ton incontournable et meilleure solution. Cesse de lutter avec l'éternel Dieu Tout-Puissant, l'invincible, l'omniprésent et l'omniscient. Cesse de te rebeller contre lui, de te torturer et de te détruire. Accepte de faire de tout ton cœur sa mystérieuse et superbe volonté, afin de jurer de sa prodigieuse et infinie bonté. Peu importe le temps, les difficultés et les dangers, peu importe qu'humainement tu te trouves déjà échoué, vaincu et honteux, si lui te trouve réussi, béni, beau, vainqueur et spécial, petit à petit, il manifestera sa puissance pour accomplir son dessein. Peu importe ce qui adviendra, abandonne-toi. Aveuglement, offre-toi dans la conscience du Seigneur qui veut sur terre faire de toi un représentant, un ambassadeur parfait et il y arrivera. Même si tu es dans le néant, pourvu que tu tiens toujours sa main, d'autant plus serré que tu es plus malheureux ou troublé, laisse-toi te conduire par lui, pas à pas, marche avec lui, ta main dans sa main. Il est le bon berger sur qui tu peux compter, le guide exceptionnellement parfait qui te comblera d'énormes bienfaits. Si tu rencontres sur ton parcours des obstacles et des oppositions, ne te tente de rien, ni de tes faiblesses morales et physiques. Quel que soit ce que tu rencontreras, ne t'inquiète absolument de rien, car il est plus que fidèle. Et ton tout en tout, lui seul connaît le plan qu'il a établi pour ta vie. Fais-lui totalement confiance et abandonne-toi.